Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonné pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Verseau pour le mois de février 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ce n'est pas le cas, c'est juste que voilà, j'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Merci de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonné. Et si vous avez des questions sur votre situation personnelle, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien en bas de toutes mes vidéos, ok? Alright, on va donc commencer. Les Verseaux. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que le mois de février soit réellement un mois de reconnaissance. Vous êtes ici dans une période où vous êtes réellement reconnaissant pour tous les bienfaits que certaines personnes ont eu à avoir à votre égard, d'accord? Pendant le mois de février, vous risquez de vous rendre compte à quel point vous êtes soutenu, à quel point vous avez plein de personnes pour vous soutenir, pour vous, non seulement pour vous aider émotionnellement, mais aussi pour vous aider financièrement. Oui, certaines parties d'entre vous, pendant le mois de février, on a votre gratitude qui va réellement être à son pic, d'accord? Vous allez être vraiment grateful envers tous ces gens-là qui ont été une bénédiction pour vous. On a ici les anges qui voudraient vous dire que vous êtes protégé, vous êtes gardé. Peu importe les difficultés ou encore les crises dans lesquelles vous vous trouvez, vous êtes protégé. Vous avez les anges qui vous protègent. Vos finances sont protégées. Stabilité est protégée, d'accord? Oui, c'est une partie d'entre vous. À force ici d'être reconnaissante ou encore avec cette énergie de reconnaissance-là qui vous envahit, vous êtes ici sur le point d'ouvrir encore plus des portes de prospérité et de bénédiction à votre égard. Si vous avez décidé d'entamer un business, on a ici votre business qui non seulement reflète votre état d'esprit, mais vous avez aussi certaines personnes qui vont réellement vous aider, qui vont faire certains partenariats avec vous. Et c'est ainsi que, vous allez carrément être capable de prospérer encore plus. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici à la recherche d'investisseurs ou à la recherche de clients ou encore à la recherche de certaines personnes qui croient en vous, on a le nombre de ces personnes-là qui augmente de jour en jour. Si vous êtes ici commerçante, je ne sais pas pourquoi je vois ici quelqu'un qui fait un commerce de fruits ou peut-être c'est l'import-export dans le côté agricole. Vous avez ici des partenaires qui vont bientôt s'associer à vous pour certains projets. Pour certaines parties d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui s'apprête à acheter un terrain. Je vois ici quelqu'un qui veut acheter un terrain.
Pour une autre partie, donc je vois ici quelqu'un qui veut se mettre dans la cultive, dans la, on dit quoi, la cultivation, right? Yeah. Dans la cultivation de légumes ou encore de produits agricoles. On a de grands projets ici qui sont sur le point de s'entamer. Et j'ai l'impression que tout ce que vous pouvez dire right now, c'est merci. Merci pour le support, merci pour l'encouragement, merci de croire en moi. Pour une autre partie d'entre vous, sur le plan sentimental, je vois ici une femme qui risque de tomber enceinte pour la première fois. On a ici quelqu'un qui est né en mars et qui est sur le point d'être une mère. Si tu es... Ok. Si vous êtes ici une personne qui est née dans le mois de mars, donc peut-être que vous êtes poisson ou encore bélier, ok? But, vous êtes ici une personne qui est née dans le mois de mars. Vous avez ici peut-être votre propre business, vos propres terrains, ou encore vous êtes ici quelqu'un qui est peut-être très spirituel, ou vous essayez en tant que tel de toujours partager votre énergie avec les autres, afin d'encourager les autres, afin de montrer aux autres la voie. Ou encore afin d'enseigner aux autres, à votre manière à vous, ce que c'est que la loi d'attraction. OK? Vous êtes ici dans une période où vous risquez non seulement de tomber enceinte et d'avoir votre premier enfant pour la première fois, parce que je vois ici un enfant, l'esprit d'un enfant qui rentre dans votre corps, here. On a ici l'esprit d'un bébé qui rentre dans votre corps, qui s'apprête à naître, même si vous êtes célibataire et que vous n'avez aucun homme dans votre vie, faites attention au prochain homme avec qui vous allez être intime, surtout si vous pratiquez l'abstinence. Parce qu'on a le prochain homme avec qui vous allez être intime juste après votre période d'anniversaire, qui va être le père de votre futur enfant. Et c'est carrément votre premier enfant, votre premier-né. Here. Oui, c'est une partie d'entre vous, les signes qui vous montrent ici que vous avez un enfant qui va très bientôt naître. Les premiers signes que vous allez recevoir, ce sont non seulement des signes de gratitude, mais c'est aussi des signes en rapport avec la prospérité. Vous allez commencer à voir votre business fleurir. Vous allez commencer à faire beaucoup plus d'argent que d'habitude. Vous risquez même de faire deux fois plus d'argent qu'auparavant. Et on a les anges ici qui essayent de vous apprêter financièrement afin d'être une mère capable sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan financier. I like it. OK. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Oui, c'est une partie d'entre vous. Vous avez ici un ange gardien qui vous protège. On a ici un ange qui vous observe. Here. Vous avez ici un ange gardien qui est très âgé, somehow. Et il vous partage le savoir des divins. Vous êtes peut-être spirituel. Il vous partage ici le savoir des divins. Vous avez une manière à vous de communiquer les messages divins. Non seulement ça, mais vous êtes sûrement une personne qui ne parle pas beaucoup. Mais à chaque fois que vous ouvrez la bouche, tout ce que vous dites se réalise. Vous avez plusieurs personnes qui vous font des témoignages. Vous avez plusieurs personnes qui reconnaissent un certain don que vous avez. Hi, angels, please clarify this reading for my clients. Thank you so much. Et puis, c'est une partie d'entre vous. Vous êtes ici sur le point de devenir mondial. I don't know what the fuck this is. So, si vous êtes spirituel, ok, et que vous avez un don en particulier, votre don est sur le point d'être reconnu sur le plan mondial. Il est important pour vous de faire attention parce que si jamais vous voyagez, vous risquez de ne pas pouvoir vous déplacer, dehors sans créer de meute.
ou encore sans que les gens viennent vous parler, something like that. Surtout si vous voyagez à l'extérieur du pays où vous vous trouvez. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, si vous êtes ici quelqu'un qui n'est pas réellement spirituel, mais vous êtes en train de travailler sur un projet qui a un rapport avec des déplacements, l'import-export ou encore quelque chose que vous voulez faire dans un pays étranger, je vois ici quelque chose qui va être un succès. Mais vous ne serez capable de voir le succès de cette entreprise ou encore le succès de vos efforts 7 mois après avoir commencé, surtout si c'est un projet que vous voulez juste commencer. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez déjà ici établi un certain business en particulier et que vous devez voyager, vous risquez de vous rendre compte de l'impact que vous avez dans le monde parce qu'on a environ 7 personnes qui vont vous arrêter pendant que vous marchez. Je ne sais pas où vous allez, mais pendant que vous marchez dans la rue, 7 personnes vont vous arrêter pour essayer de vous parler. Et c'est à ce moment-là que vous vous rendrez compte au fait à quel point vous avez semé des graines dans la vie de certaines personnes, des graines positives, à quel point vous saurez que votre nom peut être partagé partout dans le monde, à quel point vous saurez l'impact que vous avez fait dans la vie de certaines personnes. Et surtout si c'est une histoire business, c'est à ce moment-là que vous verrez. You know, Ten of Pentacles. Abondance, 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 abondance. Moi, j'aime dire money, 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 money. Mais c'est à ce moment-là que vous verrez l'abondance et l'impact que, you know, vous avez su créer avec un business en particulier. Pour une partie d'entre vous, si vous êtes ici dans l'agriculture et que votre compagnie, par exemple, c'est peut-être l'agriculture, c'est aussi peut-être une organisation sans profit, alright? Vous risquez de voyager et vous risquez de rentrer en contact avec tous ces gens-là que vous avez aidés, tous ces gens-là à qui vous avez donné de la nourriture, sans demander quoi que ce soit en retour. Mais je vois ici quelqu'un qui fait. Je vois ici un homme et une femme, un couple, qui essayent de travailler sur une organisation secrète, je dis secrète, une organisation sans profit pour aider les gens dans le monde. C'est après 7 mois de dur travail que vous allez voir le résultat de cette situation. Ça me fait penser au prince Harry, à Meghan, Marco. Anyway. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Bisous, bye bye. Oh, Taureau, Vierge, Capricorne, et c'est tout. Bye.